bitch from the south. What the fuck? Bon, tout est fait. Il n'y a plus qu'à commencer. What's up guys, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où on va parler de comment avoir confiance en soi. Donc ça fait un bon moment que je voulais tourner la vidéo, mais bon écoute, la procrastination a eu raison de moi, d'où mon retard, voilà, d'où mon retard pour cette vidéo. Moi je pense que la confiance en soi c'est quelque chose qui se travaille, à part si tu t'appelles Bad Girl Riri. Je rigole, mais même elle, je pense qu'elle galère. Enfin, quand je dis qu'elle galère, je pense que même elle, parfois, elle doute. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment normal. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'acquiert tout au long de ta vie. Et voilà, que si tu n'es pas avec une confiance au max du max, tu te construis tout au long de ta vie. Et après, ça donne la bad bitch que tu es aujourd'hui ou le bad boss que tu es aujourd'hui. Parce que du coup, j'espère qu'il y a des mecs aussi qui regardent mes vidéos. Voilà, c'est comme une plante si tu veux, c'est à grand... Non, c'est pas une plante. C'est un très mauvais exemple. Bon, c'est comme le vin. T'as compris ou pas? C'est comme le vin. C'est-à-dire que voilà, plus tu grandis, plus tu te bonifies. Alors, pour moi, c'est exactement la même chose. Au départ, je n'avais pas spécialement confiance en moi au tout début. Surtout sur mes projets, ma vie professionnelle, je doutais pas mal. Et j'ai pu travailler sur moi, j'ai vu ce qui n'allait pas pour pouvoir être une bad bitch aujourd'hui. Mais voilà, je rigole, mais c'est vrai, c'était vraiment quelque chose qui me manquait. Et du coup, je suis vraiment reconnaissante de l'avoir aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai 100% confiance en moi, mais je dis que voilà, j'étais là, maintenant je suis là. Demain, je serai là, tu vois ou pas? Donc, c'est vraiment des choses qui, pour moi, s'acquièrent tout au long de ta vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous parler des 3 étapes pour avoir confiance en toi. Donc, la première étape, selon moi, c'est vraiment apprendre à te connaître. À connaître tes défauts, tes qualités, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Parce que pas penser que tes défauts soient quelque chose de comme un poids lourd pour toi. Alors, pas du tout. Tes défauts peuvent être ta force de demain et comme tes qualités peuvent être ta force de demain. En fait, c'est ce qui fait que tu es toi. Ta personne entière, ta personnalité. Voilà, moi je m'appelle Soraya Ima et voilà, j'ai pas de défauts. C'est la vie. On peut pas tous être parfait. Non mais je rigole, mais si j'ai mes défauts, je les accepte. Pas je travaille sur moi pour être quelqu'un de meilleur à chaque fois. Je ne vais pas changer pour les gens, c'est-à-dire que je suis comme je suis, avec mes défauts et mes qualités. J'ai appris à me connaître sur tous mes aspects. C'est vraiment ça qui est important selon moi, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, de savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et comme ça, après, tu pourras pouvoir poser tes limites. Quand tu vois qu'il y aura quelqu'un qui va te dire de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, tu pourras dire non parce que tu sais où est ta limite. Tu sais que là, tu l'as atteinte. So, if you want to say no, say no. No, bitch. Je suis persuadée que chaque personne est spéciale. Tu es spéciale. Oui, tu es spéciale parce que c'est toi, parce que tu as ton histoire, tu as ton vécu, tu as tes faiblesses, tu as tes forces. Et tout cet ensemble en fait de choses font que tu es une personne spéciale. Faut pas douter sur ça. Faut pas se dire ah mais moi je suis timide, je pourrais pas faire ça. Ah mais moi voilà je suis trop gentille, les gens machin. Non. Faut pas penser comme ça. Faut se dire que la seule limite, c'est toi. C'est toi qui te mets tes barrières. C'est toi qui te dis où tu peux aller. C'est vraiment toi qui décides de là où tu veux aller. Mais prends le temps qu'il faut pour t'analyser, te remettre en question sur certains points et tu verras que ça ira. Je pense que la première personne que tu dois connaître, que tu dois analyser, c'est toi. T'apprends à te connaître, tes défauts, tes qualités, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et tu verras qu'il y aura des choses peut-être qui seront plus claires pour toi, qui te permettront d'avancer sur ton chemin tout simplement. Alors la deuxième étape, c'est vraiment de s'accepter. Il faut s'accepter. Alors quand tu sais que tu te connais et tout, et tu sais que tu as certains défauts, tu as certaines qualités, il faut t'accepter. Il ne faut pas se faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Parce que tu ne seras pas à l'aise avec cette image que tu as de toi. Et être différent, c'est ça en fait. Je trouve que si tout le monde était pareil, ce serait vraiment, vraiment chiant, je pense. Et super ennuyeux parce que du coup, voilà, tout le monde ne peut pas s'entendre. Tout le monde ne peut pas t'aimer, forcément. Par contre, vous pouvez m'aimer. Et au passage, quand on parle d'amour, moi, je pense qu'il faut que tu t'abonnes à ma chaîne pendant qu'on y est. Parce que bon, on est en train de parler entre nous, on échange, on papote, tu sais. Je pense que c'est le bon moment de t'abonner à ma chaîne, d'accord?
et de me suivre sur les réseaux sociaux, bien entendu. D'accord? Et de me laisser un petit like, un petit commentaire. N'oublie pas, il faut que tu aies confiance en toi. Donc, clique sur ce petit bouton et je pense que tu auras confiance en toi. Je rigole, bien entendu. Donc, quand je dis que tu es spécial, pour qui tu es, pour ce que tu représentes, il y a les gens qui vous énervent dans vos vies, mais vous les aimez tellement que vous les acceptez comme ils sont. Et bien, c'est exactement ça. Les gens vont faire exactement la même chose avec vous parce qu'ils vous aiment pour qui vous êtes, pour qui vous représentez, avec vos défauts et vos qualités. Donc, moi, je pense que ça passe par là, de s'accepter déjà et ensuite, les autres, voilà, ils vont faire avec. Hein. J'avais envie de vous dire quelque chose. J'ai envie de te dire de ne pas te comparer sur les réseaux sociaux. On étale sa vie en mode sa vie parfaite, qui n'est pas forcément la réalité. Et voilà, c'est ce qu'on met en avant, ou toujours quand on est fraîche, fraîcha, qu'on fait des photos, on est parfait. Et après toi, tu viens, t'es en mode schlag là dans ton lit, tu regardes tes photos, enfin tu regardes ton Insta. Les meufs, elles sont toutes belles, ou les mecs, ils sont tous beaux. Et toi, t'es là, dégueulasse et tout. Tu regardes ça, t'as le seum. Enfin bref, c'est déjà arrivé à tout le monde. Tout simplement, pas se comparer. Là, vous n'êtes pas forcément au même stade. Les gens sont différents. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte où vous ne pouvez pas vraiment vous comparer parce que vous n'avez pas le même vécu, tout simplement. Et toi, ça va justement casser cette confiance en toi que tu as quand tu vas te comparer à des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, également, sois en phase avec tes valeurs. Fais des choses qui te tiennent à cœur, fais des choses que tu aimes. Ne fais pas des choses que tu n'as pas envie de faire. Parce que tu seras tellement mal quand tu feras justement ces choses ou tu ne seras pas forcément à l'aise. Ne le fais pas. Dis juste non en fait. Reste aligné à tes valeurs. C'est très important d'être aligné à ces valeurs parce que du coup, au moins, tu sais ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais et du coup, c'est ce qui va te rendre heureux, je pense. Toutes ces petites choses vont s'aligner. N'hésite pas, fais ce que tu aimes. Et si tu n'aimes pas quelque chose, ne le fais pas. Tout simplement. On arrive enfin à notre dernier point qui est de s'aimer soi-même. Si toi tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer? Prends soin de toi, te faire plaisir, faire du shopping, prendre soin de ta personne. Ça passe par toutes ces petites choses qui vont justement t'aider à t'aimer. Prends soin de toi, sois la meilleure version de toi jour après jour. Corrige-toi, corrige tes défauts, et évolue dans ce que tu as envie d'évoluer et n'oublie pas que la seule limite, c'est toi. Si tu as envie de faire quelque chose, crois-moi que tu peux y arriver. Il faut simplement y croire et travailler. Bien sûr, ça c'est le mauvais côté de la chose. Dommage que ce n'est pas facile. Parce que moi, j'aurais bien aimé que la vie soit très facile. Tu sais, tu as envie d'avoir quelque chose, hop, tu l'as. Mais apparemment, ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, tu es obligé de travailler. Tu es obligé de travailler pour avoir n'importe quoi. Parfois, voilà, tu es motivé, tu as envie de le faire et parfois tu n'es pas motivé, tu es triste, tu as envie de tout plaquer, mais il faut que tu continues. Continue à croire en tes rêves, continue à aimer ce que tu fais et continue à t'aimer toi-même. Et si tu allies tous ces petits points en fait qui sont peut-être faciles à dire dans une vidéo de 15 minutes, mais qui est, je pense, un travail de longue haleine et si tu ne lâches pas, je pense que tu auras confiance en toi rapidement. Je redis, fréquenter des personnes qui sont positives. Ne fréquente pas des gens qui te rabaissent constamment. Ça ne sert à rien du tout. Tu perds juste ton temps et ton énergie. Fréquente des gens qui te motivent, qui te boostent, qui te donnent des ondes positives, de bonnes énergies. C'est tellement important maintenant. Fréquenter des gens avec des bonnes énergies. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous tirer vers le bas. Et c'est chiant à voir maintenant. Moi, je ne supporte plus ça. Ça, c'est sans façon, merci, non merci. Mais vraiment, fréquentez des gens qui vous tirent vers le haut, qui vous donnent toujours plus. Comme ça, vous pourrez donner aussi plus à ces personnes. Vous pourrez avancer ensemble. Donc, mais en tout cas, ne doute pas de toi. Je pense que la confiance en soi, ça vient de l'intérieur. C'est vrai que les accessoires, ça aide, les vêtements, ça aide. Parce que quand on se sent fraîche, on se sent fraîche. Parfois, tu ne seras pas forcément au max. Donc à ce moment-là, si tu attends que tu sois habillée, que tes ongles soient faits au passage, merci beaucoup pour les compliments, belle, ou que tu sois bien habillée, que tu sois, t'es ton carré. Si un jour, tu n'as pas tous tes accessoires, ben, tu n'auras pas confiance en toi. Donc, il faut savoir que ça vient de l'intérieur. Ça veut dire que demain, si tu es en jogging basket et que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, ah, le jogging basket,
Attention, moi je te dis attention. Tu vois, j'espère que tu comprends ce que je veux te dire dans le sens où peu importe comment tu es, si tu t'aimes, tu t'acceptes et tu assumes comment tu es, je pense que ça va se refléter à l'extérieur. Tu vas dégager une bonne énergie, tu vas dégager une certaine confiance en toi et les gens vont le voir et ça va se remarquer. Ça prend du temps, voilà, prends le temps qu'il te faut, appliquer ces trois étapes. Si tu as des questions sur ça, sur un point que je n'ai pas éclairci, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire, je vais y répondre. Tous ces points reliés vont te permettre d'avoir confiance en toi. Ne laisse pas tomber, ne laisse personne te dire qui tu es, qui tu n'es pas, et ce que tu vaux. J'espère que ça va t'aider. J'ai pas, voilà, j'ai eu des personnes qui ont un peu cassé mon estime de moi, ma confiance en moi. J'ai dû justement puiser intérieurement pour trouver la force et le courage de faire certaines choses. Je me suis fixé des objectifs et je compte bien les atteindre. On est terminé, nous, ça c'est clair. Alors je te conseille vraiment de travailler sur toi, d'être la meilleure version de toi-même, de ne pas avoir peur des autres et de toujours, toujours croire en soi. Peu importe ce que tu veux faire, si tu as un projet, si voilà, tu as envie d'évoluer dans ton travail, si tu as envie de faire des choses, partir, je sais pas moi, à l'étranger, si tu as des rêves, poursuis ton rêve et je pense que tu peux y arriver. N'oublie pas, la seule limite, c'est toi. You can do it, ok? J'espère que cette vidéo t'aura aidé ou va t'aider sur la confiance que tu as en toi, que tu vas appliquer justement les trois étapes. Alors, si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne juste ici. Laisse-moi un petit like. Franchement, ça fait plaisir, hein, tout simplement. Et s'il y a un sujet que tu aurais aimé que je traite, comme d'habitude, laisse-le moi en commentaire et on va échanger et papoter. Je te fais de gros bisous. Et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous! Il faut toujours laisser un mot de fin, c'est comme ça. Merci d'avoir regardé ma première vidéo YouTube, ça m'a fait très plaisir. Vous m'avez laissé des petits commentaires trop mignons. Cette vidéo, ça fait au moins 2 ou 3 fois que je la refais. J'arrivais pas forcément à dire tout ce que j'avais à dire. Et c'est vrai que c'était un sujet qui me tenait à cœur. J'avais envie de vous parler de la confiance en soi parce que c'est vraiment important. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en manquent. Voilà, ça me fait plaisir d'aider certains.